tu m'as fait faire un dur travail. Toi aussi. Tonton, oui. S'il vous plaît, ajoutez-moi de l'argent. Vous avez vraiment traîné dans la chambre depuis que vous étiez entré. Écoute, nous sommes déjà vos clients et il faut avoir un fair play. Ce n'est pas question de clients. Depuis que vous étiez entré, vous avez vraiment duré. J'ai compris. En plus, il y a eu des clients qui ne pouvaient pas entrer puisque la chambre a été confisquée. Depuis le samedi, jusqu'à le samedi, je reviendrai ici. Je vais payer. C'est toujours dans tes habitudes. Quand tu viens ici, tu n'as jamais eu l'argent. Tu ne donnes jamais l'argent au complet. Et ça fait quoi? Alors quand on entre là-bas, on se rend compte qu'on va vraiment traîner. Écoute, c'est bon, on va le résoudre. Tu l'as oublié? D'accord. Ce n'est pas bien. Passez demain pour compléter le reste. Pas demain. Les samedis. Aujourd'hui, on a traîné qu'on vienne encore demain. Non, je suis un robot. Et... Merci. Bon, on peut partir. Tu vois, nous ne pouvons pas sortir au même moment. On peut seulement sortir au même moment. D'accord, pas de problème. J'ai 10 dollars ici. 10 dollars? Bien sûr. Hi. Ada, avec tout ce dur travail et physique que tu m'as fait faire, moi je ne suis pas passée par les rings. Je n'ai fait aucun sport, Ada. Mais papa, c'est quoi ça? Tu m'as rendu sportive dans un ring. Non, je refuse, papa, c'est quoi? Essaye de parler un peu à basse voix. Les 10 dollars, je te le donne parce que tu es ma femme. Non, papa, même si je suis ta femme, aie pitié de moi, je suis enfant d'autrui. Tu m'as cassé, tu m'as tourné dans tous les sens. Tu es prostituée? Ada. C'est le calcul de ton temps, c'est comme si tu es prostituée. Quand tu m'es tourné là, tu le faisais comme étant ta femme. Parce que si tu me considérais comme ta femme, tu allais avoir pitié de moi. 10 dollars pourquoi? Je ne prendrai pas 10 dollars. Je ne prendrai pas 10 dollars, Ada. Je dois aller ressourcer mon énergie. Et j'ai perdu beaucoup d'énergie ici. En plus, on a traîné tellement que la fille l'a dit. D'accord, allons-y. Non, finissons-en. Qu'on en finisse directement. Tu vas m'énerver. Je t'ai dit que tu vas m'énerver. Ah bon? Ça, c'est la honte. Hein? Tu ne vois pas les gens entrer par ici? Ils nous prennent pour des mineurs. Ils ne savent pas que nous venons de l'intérieur. Ils ne savent pas que nous venons de là. Le débat que nous sommes en train de faire, c'est honte. J'ai besoin d'argent parce que je suis tellement fatiguée. Peut-être que je vais m'acheter un produit pour prendre. Je n'ai que 10 dollars avec moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ada, que j'aille voler? Ajoute-moi l'argent. Je n'ai que ça. Ada, ajoute-moi l'argent. Non, je n'ai pas assez d'énergie. Il faut que j'achète le lait concentré pour boire. Je t'ai dit que je n'ai pas d'argent. Donc, si je te donne ces 10 dollars, je vais rester avec 1000 francs. Qui pourra m'aider à prendre mon transport d'ici jusqu'à Victoire? Et Ada, là, je prends encore un autre transport. Au lieu de prendre ces 10 dollars. Tu vois, ne me donne pas tes 10 dollars. Tu vois, comme tu ne veux pas m'ajouter de l'argent, Ada, je vais me tenir dehors. Comme ça, je vais crier à haute voix que toute l'avenir sache ce qui se passe entre moi et toi. Arrête avec des bêtises, s'il te plaît. Tu appelles ça bêtise? En effet. Je vais te le prouver. Je te jure, je n'ai que 10 dollars. Je vais te le prouver maintenant. Ada, je vais le faire. Comme toi, tu trouves que tu es un homme fort, je t'attends dehors. Darling.